On n'a pas beaucoup de chats là. Si je demande à mes petits-enfants, qui sont des adolescents et des jeunes adultes, ils savent très bien qui est Mandela, ils n'ont aucune idée de qui est le chat. Alors j'ai peut-être mal fait mon travail de grand-mère, mais c'est une réalité, c'est qu'on parle très peu de chat. Et ce genre de débat aujourd'hui, il y avait une conférence la semaine dernière à Bruxelles au Parlement européen, où j'ai aussi eu le plaisir d'être invitée, c'est de faire parler des prisonniers politiques en Turquie, de faire parler de Tchalab. Ces gens, ils font peur à des régimes totalitaires. C'est preuve d'ailleurs de la faiblesse de ces régimes qui ont peur de quelques personnalités fortes qui veulent pouvoir convaincre qu'une autre société est possible. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut dénoncer ce qui se passe. Et c'est le but de cette journée. Tout le monde a un rôle à jouer, vous, moi, les gens qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui adhèrent et qui soutiennent cette cause. Et je pense qu'il y a non seulement à faire une pression sur le gouvernement turc, bien sûr, qu'elle doit être amplifiée, elle doit être permanente, elle doit être continue, mais je pense qu'on doit aussi, ceux qui sont originaires d'autres pays, en particulier d'Europe, de faire pression sur nos gouvernements, parce que nos gouvernements peuvent bien sûr jouer un rôle sur les conditions de détention d'un prisonnier, sur sa libération éventuelle, sur son implication dans un processus de paix que tout le monde espère. Et nos gouvernements, pour l'instant, sont très frileux, parce qu'ils ont besoin de la Turquie. Ils ont besoin de la Turquie sur la question des migrants. Ils ont besoin de la Turquie sur la question de l'adhésion pour certains pays à l'OTAN. Et donc, c'est des pays qui ne sont pas prêts à intervenir fermement auprès de la Turquie sur les conditions et une éventuelle libération de Tchad. Et donc, c'est un combat large de chaque citoyen, aussi envers son propre gouvernement, pour qu'il fasse pression sur la Turquie et qu'il cesse de jouer cette sorte de... On n'aime pas beaucoup le gouvernement turc, mais en même temps, on en a besoin et donc on ne va jamais se fâcher avec. Donc, c'est vraiment un engagement de tout le monde. Et j'espère que cette journée permettra de restituer. De punir des victimes. Puisque je vous le répète, j'estime et j'insiste que 80% des gens qui sont en prison sont aujourd'hui des victimes. Alors, la conviction personnelle concernant les gens qui sont en prison, j'ai eu l'occasion, je vous l'ai déjà dit, de vivre ces moments historiquement terribles pour les Kurdes, les grèves, les mutineries, la réaction extrêmement brutale de l'autorité turque, avec ces centaines, ces milliers de victimes. Et je me souviens de moments, pour moi, qui sont encore très émotionnels, d'avoir pu visiter dans les prisons, dans les hôpitaux, pardon, notamment d'Istanbul, cette interdiction de prison politique, puisqu'il suffit de considérer que l'appartenance à tel ou tel groupe est une infraction pour que ça ne soit plus une détention politique lorsqu'on arrête les personnes en question. Voilà, donc le paradoxe concernant la discrimination par rapport à d'autres personnes détenues, dans pas mal de pays que j'ai visités, étonnamment, les conditions de détention pour les prisonniers politiques étaient meilleures que celles des prisonniers de droit commun. Pourquoi? Parce que, dans la majorité des cas, les détenus dits politiques étaient forts dans leur tête, beaucoup mieux organisés, et réussissaient à faire en sorte que l'aménagement de leurs locaux était de qualité supérieure à ce qu'on pouvait voir chez les droits. Et ça m'avait frappé à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas forcément, à ce propos-là, considérer que les politiques étaient moins bien. Et avant l'apparition des prisons de type F, qui sont bien entendu quelque chose que vous connaissez. Voilà, Madame la Présidente, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur cette petite mission qui m'a été confiée. Et puis ce qui résume le
avant tout, on n'arrive pas en prison sans, en général, sans être passé par une instance du pouvoir judiciaire et auparavant dans un bureau de police pour être interrogé. Pour moi, je crois que le rôle essentiel de toutes ces institutions, c'est de protéger l'ordre établi, c'est-à-dire de protéger l'ordre politique, économique, avec ses relations de pouvoir, participer aux activités d'une organisation terroriste. Et donc nous avons soulevé dans le cadre de ce procès le fait que la législation antiterroriste, selon les conventions internationales qui régissent la matière, mais aussi selon la loi belge qui avait repris les clauses